أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، الرحمن الرحيم، مالك يوم الدين، إياك نعبد وإياك نستعين، اهدنا الصراط المستقيم، صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. آمين. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد، كما صليت على سيدنا إبراهيم وعلى آل سيدنا إبراهيم، وبارك على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد، كما باركت على سيدنا إبراهيم وعلى Comme j'ai dit avant, dans la prière, on dit Assalamu alayka ayyuhan nabi. Donc, tu imagines le prophète devant toi. À midi aussi, lorsque tu marches, essaye de toujours d'imaginer le prophète. Dès maintenant, lorsque tu marches, lorsque tu es toute seule à la maison ou bien avec les gens, tout ça, tu imagines le prophète. Peut-être que tu ne l'as pas vu. C'est pas grave, c'est une lumière, il est un homme beau, vous avez une idée, vous avez entendu sa description, sa barbe, sa beauté, le blanc, rouge, le turban et tout. Donc une image, blanc, les habits blancs, comme ça, tu vis toujours avec le prophète. L'imagination, comme je dis, est très très importante. D'accord? Alors, la paix soit sur toi, ô messager de Dieu. Regardez, c'est une définition de 117. Là, mais avec présence du cœur, de loin. Je prends une demi-heure tranquille, assise, et je suis en train d'imaginer la valeur. C'est qui mon prophète? Il y a des gens qui disent « Ashhadu anna Muhammadan Rasulullah ». C'est bien ce témoignage, j'ai témoigné, c'est bien. Mais est-ce que tu l'as vu? Est-ce que tu le connais? Ça, c'est, tu vas faire la connaissance de Seigneur Muhammad. C'est le début, inshallah, d'une relation d'amour avec Seyyidina Muhammad, sallallahu alayhi wa sallam. D'une vraie relation. J'ai juste rajouté un petit détail. Je pense qu'on a fait la Omra ensemble et il nous a conseillé de faire une Omra pour le prophète. Et c'est ce moment-là que ça m'a rapproché beaucoup de... comme s'il était à côté, en fait. C'est ce moment-là qui a vraiment marqué l'amour, quoi, qui a augmenté l'amour. Oui. Parce que, enfin, pour moi, je parle pour moi, j'ai appris à l'aimer petit à petit. C'est pas tout de suite, parce que c'est clair, quand on ne connaît pas, on ne peut pas aimer tout de suite. Mais c'est ce moment-là, quand j'ai fait l'ombre, et à son regard, c'est là que je le sens un peu plus. Parce que je voulais juste partager ça. Oui. Subhanallah. Oui, vous pouvez offrir une ombre au prophète, sallallahu alayhi wa sallam. À mon avis, après, vous êtes libre, mais après là. Par rapport à ça, j'avais justement, quand j'avais fait l'Omra, il y a des téléphones à l'entrée de Haram à Mecca. Oui. Il y a des téléphones, on peut décrocher. Oui. Je lui avais demandé justement si je pouvais, j'avais fait des Omra pour tout le monde, et je voulais faire une Omra pour Sayyida Aisha ou Sayyida Khadija. Il m'a dit non, mais de toute façon, elles vont au paradis, donc on fait pour toi. C'est pour ça que ça m'étonne qu'on puisse faire. Et toi, tu vas au paradis aussi, t'as pas besoin alors? Non, mais tu as dit « La ilaha illallah ». Celui qui dit « La ilaha illallah » entrera au paradis. Donc il n'a pas besoin d'une ombre supplémentaire. On a toujours besoin. Et ça, ce n'est pas parce qu'il a besoin. Si tu viens vers un riche et tu lui donnes un parfum, ça c'est pour augmenter ton amour envers lui. Je sais. Donc ça se fait. Bien sûr. Non, on faisait tous les jours. Une Omra, c'est à peu près 2 heures. Oui, 2 heures. Alors, pour la Omra, le mieux, c'est de partir à 7 heures du matin. Après le petit déjeuner, vous partez, vous prenez un taxi, vous faites la Omra, vous allez finir vers 11 heures maximum. En groupe, on finit à 11 heures. D'accord? Donc la paix soit sur toi, ô messager de Dieu. Et tu imagines ici le message, l'envoi de Sayyidina Muhammad sallallahu alayhi wa sallam. Il est envoyé par Allah. D'accord? La paix soit sur toi, ô prophète de Dieu. Messager et prophète. Le messager. La fonction de messager
est plus élevé que le prophète. Il y a beaucoup de prophètes qui n'étaient pas messagers. Sayyidina Muhammad est un prophète qui a reçu une révélation et un messager et qui était mandaté pour transmettre ce message. D'accord? Vous voyez la différence? Messager et prophète. Sallallahu alayhi wa sallam. La paix soit sur toi, ô fidèle de Dieu. Ça veut dire quoi? Fidèle de Dieu. Voilà, qui a préservé, qui a respecté le dépôt de ce message. Le dépôt, c'est le message. Donc, il l'a préservé, il l'a transmis telle qu'elle est. D'accord? Je dis toujours, et tu penses à toi, tu poses la question à toi-même maintenant. Tu as un dépôt aussi, l'islam. Tu es représentante de l'islam dans ce pays. D'accord? Tu dois être aussi fidèle à ce message. D'accord? Donc, fidèle ici, c'est un homme de confiance. Et la fidélité aussi est une qualité, est une vertu dans la fidélité. Rester fidèle jusqu'à la fin de ta vie. Engager, ne pas arrêter la constance, tout ça, c'est très très important. Et tu fais doua toujours. Oh Allah, rends-moi fidèle, donne-moi cette fidélité à mes principes, parce qu'on a des principes. Vous voyez, c'est bien, on vit des fois ce déchirement. Hein. Pourquoi j'ai fait ça? Pourquoi j'ai trahi mes propres principes, c'est moi. Hein? Avant, j'ai dit, je dois faire comme ça, je n'ai pas fait ça. Donc la fidélité, c'est une noble qualité. Fidèle, fidèle de Dieu. Assalamu alayka ya Habib Allah. La paix soit sur toi, ô bien-aimé de Dieu. Et là, tu peux dire, ô oh Allah, donne-moi ton amour. Donne-moi ton amour et l'amour de Sayyidina Muhammad. Et tu imagines toujours ton cœur rempli par l'amour d'Allah Azza wa Jalla et l'amour de Sayyidina Muhammad. Est-ce que c'est clair ces choses? Cette salutation est très, très importante. La paix soit sur toi, ô pure diaphaniété de Dieu. Alors ici, salam alaykum, l'élu d'Allah. Hein? Donc, mais vraiment, pas le choisi, l'élu, sélectionné, c'est vraiment comme le nectar du nectar. L'élite de l'élite, vraiment il a choisi Allah Azza wa Jalla, l'homme le plus pur parmi ses créatures, c'est le Mohammed sallallahu alayhi wa sallam. C'est ça le pur, je sais pas, diaphane, il était, ça c'est sa foi, c'est la meilleure, le meilleur, hein? Comme s'il avait plusieurs choix, il a choisi le meilleur, c'est le Mohammed sallallahu alayhi wa sallam. C'est l'élu d'Allah Azza wa Jalla. Peut-être il va dire après les lieux. Ouais. La paix soit sur toi, ô bien de Dieu. Khirat Allah. Ici, je n'ai pas bien compris Khirat Allah. Pour moi, je pense Khirat Allah, le meilleur. Hein, la meilleure créature d'Allah. Donc c'est presque la même chose. Safwa Allah, khirat Allah, c'est presque la même chose. Mais safwa, c'est là, il y a la sélection et la pureté. Sayyidina Muhammad est très pur. Qu'Allah nous donnera la pureté. Toujours tu fais ce doigt
Oh Allah, donne, purifie mon cœur, surtout le cœur. Surtout le cœur. Ça, c'est le plus important. Avoir un cœur sain. Illa man atallah bi qalbin salim. Revenir à Dieu avec un cœur pur. Pas de rancune, pas de haine, pas de maladie. D'accord? Est-ce que c'est clair ici? Donc, salutations. La paix soit sur toi au bien de Dieu, mais c'est bien, enfin, ne fasse rien, mais ajoutez la meilleure créature d'Allah Azza wa Jalla. Assalamu alayka ya Ahmed. La paix soit sur toi, ô Ahmed. Ahmed, ça veut dire quoi? La différence entre Ahmed et Mohammed. Ahmed, c'est dire merci. Voilà. Ahmed. Ahmed, il faut imaginer toujours la flèche vers le ciel. Celui qui a loué Allah Azza wa Jalla de la meilleure manière et qui loue Allah Azza wa Jalla constamment. Donc ici, c'est les louanges du prophète sallallahu alayhi wa sallam envers Allah Azza wa Jalla. D'accord? Lui, il dit Alhamdulillah, 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 toujours, et bien sûr avec sincérité, avec beauté, avec pureté du cœur. D'accord? Ça, c'est Ahmed. Sallallahu alayhi wa sallam. Mohammed, c'est la flèche vers lui, sallallahu alayhi wa sallam. Toutes les créatures, Allah Azza wa Jalla aussi loue Sayyidina Muhammad sallallahu alayhi wa sallam. Là, c'est le sujet et ça, c'est l'objet de louange. Toutes les créatures, nous, qu'est-ce qu'on fait? On est en train de louer, faire les éloges de Sayyidina Muhammad sallallahu alayhi wa sallam. Voilà. Et lui, il loue bien sûr son Seigneur. Est-ce que vous voyez la différence maintenant? Oui. Ahmed et Mohammed. Les deux, c'est une enfance. Pour ça, je répète toujours, notre religion est une religion de louange, de positivité. Toujours souriant, toujours alhamdoulilah. Il ne faut pas oublier ça aussi. Donc, la paix soit sur toi ou très louangé. Donc ici, c'est le sujet des louanges. La paix soit sur toi, ô Mohammed. Le Mohammed, c'est l'endroit où s'opère la louange. Est-ce que c'est clair? C'est ça, c'est l'objet de la louange. Toutes les créatures, les anges, louent Sayyidina Mohammed. Les créatures, les atomes louent Sayyidina Muhammad sallallahu alayhi wa sallam. Bien sûr, avant tout et à la fin, c'est Allah qui loue Sayyidina Muhammad sallallahu alayhi wa sallam. D'accord? La paix soit sur toi, ô père de Qasim. Qasim, c'est qui? Le fils de Sayyidina Muhammad sallallahu alayhi wa sallam. Est-ce que je pensais que c'était Abdullah et Ibrahim? Et Qasim. Il y a un troisième. Trois, oui. Il y a eu trois garçons. Trois. De Khadija. Et quatre filles. Oui. En fait, il a eu des enfants seulement de la première femme. De Sayyidina Khadija. Sayyidina Muhammad sallallahu alayhi wa sallam, l'homme, s'est marié une seule fois. En tant qu'homme, il s'est marié une seule fois. En tant que prophète, il s'est marié plus. Donc, en tant qu'homme, il s'est marié avec Sayyidina Khadija. Ah, avant la révélation. Toutes ces femmes étaient. Il s'est marié avec elles
par la voie de la révélation. Après l'âge de 53 ans. De 53 ans jusqu'à 63 ans. C'était un mariage des ordres d'Allah Azza wa Jalla pour plusieurs finalités. Sayyida Aïcha, surtout, c'était pour transmettre le message. D'accord ? Avec Saouda, c'était par compassion. C'était une femme très âgée. Donc, c'est toujours comme ça. Une copte aussi pour, voilà, c'est l'interreligieux, on dit aujourd'hui. Donc, pour, donc, il y a plusieurs finalités. Donc, il n'y a pas le mariage par amour aussi. Il y a le même mariage pour d'autres finalités. Noble, bien sûr. Ça peut être une compassion, rahma. Ça peut par miséricorde. Oui, celle d'âgée, je crois qu'il avait pris pour ça. Oui, bien sûr. Parce qu'elle était embêtée par tout le monde. Voilà. Dès qu'il a dit, je me marie, c'est ma femme, ils ont arrêté. Oui. Des fois aussi pour des fins politiques. Pour libérer aussi une tribu, hein, comme c'était avec Jouaïla, je crois, oui. Voilà. Alors, Sayyidina Muhammad sallallahu alayhi wa sallam, l'homme parfait, sallallahu alayhi wa sallam, c'est, vous avez maintenant l'occasion là-bas de le connaître de près. Hein? Le père de Al-Qasim. Il est enterré, je crois, à Al-Baqir. Je dois laisser un peu de temps pour vous chercher le livre sur Al-Baqir. La paix soit sur toi, ô toi qui efface l'associationnisme du cœur, les ténèbres, les maladies du cœur. D'accord ? Efface. Mahi. Ce n'est pas une qualité de Allah, ça ? Le prophète, il a cette. Mais Sayyidina Muhammad sallallahu alayhi wa sallam est envoyé par Allah azzawajal pour effacer l'association. Donc on peut demander directement au prophète sallallahu alayhi wa sallam de d'effacer nos péchés? Non. On demande toujours à Allah azzawajal. Mm. Mais Allah peut demander à son prophète de purifier nos cœurs. Mm. Lui, c'est le guide, donc je ne peux pas dire autre chose, mais le guide, c'est. D'accord. Mais on demande toujours à Allah. On ne peut pas dire intermédiaire, je pense que c'est pas bien de dire intermédiaire. Si tu comprends le sens, tu peux dire ce que tu veux. Le problème, c'est le mot. Intermédiaire comme associé, non. Mais lorsque je demande au prophète de me faire de doua. D'accord ? Comme tu me demandes de faire doa, comme je te demande de faire doa pour moi. C'est tout. Et là, il n'y a pas d'intermédiaire. Si tu veux dire intermédiaire, oui. Mais tu as compris l'essentiel. Hein? Donc, c'est lui qui efface les ténèbres des cœurs par l'enseignement, par d'autres moyens. Allahu A'lam. D'accord ? Là, on est en train d'effacer notre ignorance par l'enseignement. C'est dans ce sens-là. Assalamu alayka ya Aqib. La paix soit sur toi, ô issue, toi qui assures l'issue. La paix soit sur toi, ô issue. Subhanallah, ils ont dit ceux qui prient sur Sayyidina Muhammad sallallahu alayhi wa sallam vont le voir au dernier moment. Celui qui le voit dans un songe véridique va le voir dans son réveil dans la vie d'ici-bas. Il va venir pendant l'agonie pour te rassurer. Donc ça, c'est à la fin, l'issue. Donc, il va venir pour t'aider à avoir un bon sort final.
L'imam Sha'raoui, qu'Allah soit satisfait de lui, il a dit Ashhadu an la ilaha illallah wa annaka rasulullah. C'est sa dernière attestation. Donc il était avec lui. Il a vu les anges, il a vu le Hussein, il a vu les compagnons. Sha'raoui, c'est un grand prédicateur égyptien décédé. Donc ça c'est l'issue. Hein? Et bien sûr, c'est bien de mourir là-bas. Si Allah nous donne la mort là-bas, vous allez faire la prière de Genèse sur plusieurs personnes. Chaque prière, la prière de Genèse sur 11, 10 personnes. Chaque. Je m'excuse encore, je me souviens, il y avait un chir qui a fait une conférence ici il y a quelques temps. Il avait dit que tous les morts qui sont enterrés à Médine, la terre, elle les fait disparaître, je sais pas, un truc comme ça. Oui, Sayyidina Hamza, son corps est intact jusqu'à maintenant. Une fois, il y avait des inondations, l'eau a soulevé la terre, et ils ont vu son corps tel quel. Intact. Juste, ça se passe comment s'il y a quelqu'un qui fait un malaise devant nous, tout ça. Oui, il faut l'aider, bien sûr. Oh, c'est logique. Mais bien sûr. Non, il ne faut pas chercher la mort. On voit des choses. Mais si elle vient, alhamdoulilah, c'est un choix. Tu donc, es choisi. Donc, tu vas dans le tawaf et tout pour te faire sortir. Oui, mais ils ont, machallah, les moyens. Ils viennent vite, ils ont des caméras partout, machallah. Oui. Alors ici, la paix soit sur toi, ô Essu, toi qui assures les cieux. La paix soit sur toi, ô rassembleur. Donc, si tu meurs à Médine ou à la Mecque, tu seras rassemblé, ressuscité avec celle de Mohammed, sallallahu alayhi wa sallam. Celui qui rassemble les gens de Médine. Ensuite, il va vers la Mecque et il rassemble avec lui les Mécois. Ensuite, ils se dirigent tous vers la terre de la résurrection à Hachem, en Syrie. La paix soit sur toi, ô porteur de bonnes nouvelles. C'est quoi la bonne nouvelle? La révélation. D'accord. Dans la révélation, il y a la bonne nouvelle. Ceux qui vont au paradis. Voilà. Inch'Allah, le prophète, il t'a porté cette bonne nouvelle. Tous vos péchés seront effacés après le hajj. Vous allez revenir une page vierge. Des nouveaux nés. D'accord? Ça, c'est la bonne nouvelle. D'accord? Et d'autres, bien sûr. Des bonnes nouvelles. Alaykoum salam. Est-ce que c'est clair? C'est joli jusqu'à maintenant. Ça, c'est vraiment une salutation, mais aussi un voyage dans la connaissance, vers la connaissance de Sayyidina Muhammad sallallahu alayhi wa sallam. Est-ce que vous avez mis sur le groupe la photo de cette salutation? Je ne sais pas si on arrive à finir toute la formation. Je ne veux pas aller très vite, ça ne sert à rien. Là, ça, c'est l'essentiel. Si vous revenez après le hajj avec l'amour, avec plus d'amour envers le prophète sallallahu alayhi wa sallam, vous allez oublier tout, tous vos soucis, tous vos problèmes, tous vos projets. Parce que le plus important, c'est Sayyidina Muhammad sallallahu alayhi wa sallam. Sur cette terre, le plus important, c'est Sayyidina Muhammad sallallahu alayhi wa sallam. Et Allah azza wa jalla, bien sûr. J'ai écrit comme salutation. Oui, salutation de Sayyidina Muhammad sallallahu alayhi wa sallam. Comme ça, vous pouvez se... Ah oui, mettez-vous déjà dans les livres. Allez, je suis là-bas. Et prenez votre temps aussi. Prenez pour comprendre et enraciner. Vous connaissez tout ça presque. Vous, après, travaillez
et essayer d'intégrer ces réalités, ces connaissances dans le cœur. Il y a ce qu'on appelle connaissance et gnose. C'est une indifférence. La connaissance, c'est un savoir théorique. La gnose, c'est une réalité. Lorsque tu dis Sayyidina Muhammad, ton cœur saute de joie. Là, c'est on est dans la gnose. C'est différent. C'est une la gnose, c'est la connaissance du cœur. Al-ma'rifa wal-irfan. D'accord? Donc, on veut passer de la ma'rifa à l'irfan, de la connaissance à la gnose. D'accord? Ça passe par l'imagination, comme j'ai dit, méditation, répétition. Et surtout, le travail, ce que j'ai expérimenté avec les pèlerins, la méditation collective. Discussion. Voilà, on va faire par exemple les stèles, le jet des stèles. Pour vous, c'est quoi les stèles? Et on commence à discuter. Et machallah, les cœurs des pèlerins sont purs. Ils vont vous donner des idées que vous ne pouvez pas l'imaginer. D'accord? Cher, je vais assez. Non, non. C'est juste un symbole ou ils sont vraiment là les... Le diable, il est là. Il est dans les Il faut des pierres ici. Mais concrètement, ils sont attachés. Alors, les cailloux, le vrai caillou, c'est le jeûne. C'est la seule la chose qui vraiment casse le diable, c'est le jeûne. Oui. Ça, c'est la chose la plus difficile pour le diable, le jeûne, la sincérité. Ça, c'est des rochers même. Si tu veux le frapper avec, le lapider avec des rochers, il faut jeûner. Et être reconnaissant, dire Alhamdulillah, la sincérité, à la fin bien sûr, ça c'est... D'accord? Mais là-bas c'est des symboles. Des symboles. Des symboles. Ça c'est important, c'est au Mina, on va pas, malheureusement on n'a pas le temps pour voir tout ça. Mais rappelez-moi aussi, peut-être à la fin je peux vous donner quelques idées concernant le symbole de Mina. D'accord. Mais je préfère le prophète Sassan. Le prophète Sassan, c'est après la Kaaba, après la présence divine, il y a le prophète Sassan. Donc, c'est pas du temps perdu, ça. Si tu connais Sayyidina Muhammad Sassan, tu vas arriver à Allah. Et si tu ne la personne qui ne voit pas la porte de Sayyidina Muhammad, elle ne peut pas voir Allah. La paix soit sur toi, ô avertisseur. Ça veut dire quoi, avertisseur? Attention, il y a du feu ici. Ne suis pas tes désirs, ne fais pas comme ça. D'accord? Lève-toi le matin, à 3h du matin. Attention. Prie, invoque Allah Azza wa Jal. Donc, l'avertisseur, il veut te sauver de l'enfer. Il veut ton bien. D'accord? La paix soit sur toi, ô pureté. Inch'Allah. Salam alayka ya Tahir. Pureté. Sayyidina Muhammad, c'est la pureté. C'est la pureté. D'accord? Sayyidina Muhammad, c'est la pureté elle-même. C'est la source de toutes les qualités sur cette terre. Toutes les qualités. La miséricorde, la pureté, la bonté, tout ce que vous pouvez imaginer. Sa source, c'est Sayyidina Muhammad. Pas seulement la pureté. Vous voyez pourquoi on veut aimer Sayyidina Muhammad? Pour avoir accès à la source. Et c'est pour ça qu'il faut prier beaucoup sur lui. Prier beaucoup sur lui. C'est le moyen pour aller et s'abreuver de cette source. La paix soit sur toi, ô purifiant. Il y a Tohr, il y a Tahr. Donc, la pureté est bien sûr celui qui purifie. Purifiant, c'est ça, hein? Celui qui purifie. Purifie les cœurs.
Bien sûr, lorsque, parce que le mahim, par la permission d'Allah. Allah Azzawajal a dit, moi je donne, Allah il donne et moi je distribue. C'est Dieu qui donne et moi je distribue. Il donne le savoir. Et moi je donne à Fatima, je donne à Rachida, je donne à Arben, à Issa. C'est Allah Azzawajal qui a accès à nos cœurs par la permission de Dieu, par l'ordre de Dieu. Bien sûr, on ne peut pas faire quelque chose tout seul. Est-ce que c'est clair ici? Pourquoi? Parce que Allah aime Seyyidina Muhammad sallallahu alayhi wa sallam. Il l'a choisi pour cette mission. Et pour ça, on doit aimer Seyyidina Muhammad sallallahu alayhi wa sallam. Purifiant. La paix soit sur toi, ô le plus généreux des enfants d'Adam. Le plus généreux, je n'efface rien, j'ajoute le plus noble. Assalamu alaykum, Sayyid al-Mursalin. La paix soit sur toi, ô chef des envoyés. Tous les prophètes, selon le verset de Surat Al-Ali Imran, ils ont vu Sayyidina Muhammad sallallahu alayhi wa sallam avant sa création, dans le monde, dans un autre monde antérieur. Ils ont vu Sayyidina Muhammad. Et ils ont témoigné que celui-ci est le dernier message. C'est pour ça qu'il est le chef. Et lorsque tu dis le chef des messagers, tu penses à quoi? Prophète des prophètes. D'accord. D'accord. Complété. Complété, d'accord. Le chef, c'est lui-même. Ça ne vous donne pas une idée? C'est toi qui dirige. Qui a guidé une prière une fois. L'Aqsa. C'est lui qui a guidé les prophètes à Quds. C'est juste. Voyage nocturne. Dans le voyage nocturne. D'accord? Et là, on voit qu'il est le chef vraiment des prophètes. C'est le Mohammed. Est-ce que l'amour du prophète sallallahu alayhi wa sallam augmente dans votre cœur? Oui. C'est toujours la connaissance branche les sentiments et l'action. Donc moi, si c'est la connaissance, l'amour augmente et vous allez peut-être prier plus sur le prophète, le suivre davantage. Et comme ça. Ça c'est le fruit, l'action. Voilà la logique. Branche, fruit. Donc là-bas, c'est la même chose. Si tu veux, c'est presque automatique, si tu veux attiser l'amour du prophète sallallahu alayhi wa sallam, méditer ses paroles. Tranquillement. Et Inch'Allah, Allah vous donnera plus d'amour envers Sayyidina Muhammad sallallahu alayhi wa sallam. La paix soit sur toi au sceau des prophètes. Bien sûr, le chef, c'est vrai, c'était au début et à la fin, c'est le sceau, le dernier messager d'Allah Azza wa Jal. Assalamu alayka, ya Rasul Rabbil Alameen. La paix soit sur toi, ô messager du Seigneur des mondes. Au lieu de dire Ya Rasulallah, ici il a dit Rabbul Alamin, Seigneur des mondes. Le monde ici. Les sept cieux. Les univers, les plantes, et toutes les créatures connaissent Sayyidina Muhammad sallallahu alayhi wa sallam. Toute créature, je dis tout atome, témoigne que Sayyidina Muhammad sallallahu alayhi wa sallam est le messager d'Allah. Une fois, il y avait un athée à l'époque du prophète sallallahu alayhi wa sallam.
lui a dit Sayyidina Muhammad sallallahu alayhi wa sallam, si je demande à cette branche de venir et témoigner que je suis le messager d'Allah, est-ce que tu vas croire? Il a dit oui. Donc il a demandé à Sayyidina Muhammad à une branche de venir. Il est venu vers lui et il lui a posé la question, est-ce que je suis le messager de Dieu? Elle a dit, elle a parlé, elle a dit, je suis le messager, tu es le messager de Dieu. Et l'homme là, il s'est converti à l'islam. Des miracles, oui. Comme le temps de Moussa. Ça, c'est un miracle, oui. Ce n'est pas un miracle, c'est un don. C'est un don pour le prophète Sansa. Le miracle du prophète, c'est le Coran. Non, je confondais avec c'était un chrétien, c'était pas un acteur. Oui. C'était lui, Non, 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 ça, c'était une autre. Ah, c'était à midi. Une branche de dattier qui est venue et il a témoigné que c'est Sayyidina Muhammad. Et il a dit Sayyidina Muhammad, toutes les créatures connaissent Sayyidina Muhammad et témoignent qu'il est messager. Alors c'est pour ça qu'on dit, il a dit le messager des seigneurs des mondes. D'accord? La paix soit sur toi, ô toi qui guide au bien. Qui nous a guidés à ce cours, à cette mosquée? Qui nous a guidés à construire cette mosquée? C'est Sayyidina Muhammad sallallahu alayhi wa sallam. Le hadith de Sayyidina Muhammad sallallahu alayhi wa sallam. La paix soit sur toi, ô toi qui fais accéder à la bonté. La bonté, celui qui conduit, il a juste changé le mot, au lieu de dire conduire, il a dit qui fait accéder à la bonté. La bonté est la bienfaisance aussi ici. Le bir, c'est la bienfaisance. Assalamu alayka ya Nabiya ar-Rahma. La paix soit sur toi, ô prophète de la miséricorde. C'est la miséricorde. La miséricorde est immense. Hein? La miséricorde, ça c'est un sujet très 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 vaste. Le Allah Azza wa Jalla dit, ma miséricorde embrasse toutes choses. C'est le Muhammad sallallahu alayhi wa sallam est la source de cette miséricorde. Imaginez alors. Aïnur rahmat al-Rabbani sallallahu alayhi wa sallam. D'accord? C'est la source de la miséricorde. C'est wa ma arsalnaka Rahmatan lil alamin, pas seulement pour les humains, c'est une miséricorde pour les plantes, pour les animaux. C'est pour ça que j'ai dit les plantes, les animaux, les univers connaissent Sayyidina Muhammad. Lui, c'est une miséricorde pour eux, donc ils le connaissent. Lui, c'est la. Je crois que le monde est créé par la miséricorde d'Allah Azza wa Jalla, la subsistance de l'existence. Même celui qui ne croit pas en Allah Azza wa Jalla est créé par sa miséricorde. La paix, donc ça c'est très 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 fort au prophète de la miséricorde. Donc ça veut dire quoi? Ce livre sans la miséricorde, il disparaîtra. Il ne peut pas exister. Tu ne peux pas le voir. Tu ne peux pas le toucher. Il n'existe pas. Il sera néant. Si je retire la miséricorde de ce livre, il devient néant. Donc, Sayyidina Muhammad sallallahu alayhi wa sallam a été une rahma, une miséricorde pour les univers. La paix soit sur toi, ô guide de la communauté. Hadi l'umma. La paix soit sur toi, ô toi qui mène la cohorte des êtres purifiés. Salamu alayka ya qaïda al-ghurri al-muhajjali. C'est quoi? C'est qui les ghurri al-muhajjali?
C'est des gens, le jour dernier, qui recevront une lumière aux endroits, à leurs membres, dans leurs membres, aux endroits des ablutions. Donc, ils viendront le jour de nous, Inch'Allah, la lumière ici, ici. Et lorsque nous faisons la toilette rituelle, nous mettons du parfum dans ces endroits, les endroits de, plutôt des prières, la tête, le nez, la main, les genoux et les pieds. Alors, ici, Sayyidina Muhammad sallallahu alayhi wa sallam, c'est le guide des purs. Il nous guide vers la lumière. D'accord ? Quand on parle de la lumière ici, mais le corps entier, Inch'Allah, le jour dernier, il devient lumineux. Et aujourd'hui, celui qui prie sur Sayyidina Muhammad, celui qui aime Sayyidina Muhammad, on voit la lumière sur son visage. Vous êtes d'accord ? Donc ici, la paix soit sur toi, ô toi qui mènes la cohorte des êtres purifiés. Les lumineux, voilà. Voilà. Si tu peux dire, qui mènent à la lumière. Le wudu aussi, c'est une... cohorte, c'est le groupe, c'est ma cohorte des êtres purifiés. Les ablutions, c'est aussi c'est une guidance d'Allah Azza wa Jalla, c'est une grâce d'Allah Azza wa Jalla. C'est vrai. Mais en réalité, les ablutions sont extraordinaires. C'est la propreté, hein, et aussi, il y a beaucoup de bienfaits physiques et spirituels. Donc c'est le Seigneur Mohammed qui nous a guidés vers cette propreté, vers cette pureté. Imaginez 14 siècles avant, dans le désert. Les Arabes, ils n'ont pas d'eau. Ils étaient des bédouins, donc des gens, entre guillemets, ils vivent dans une situation très difficile. Alors, grâce à Sayyidina Muhammad, ces bédouins et cette communauté bédouine a trouvé la... a connu le civisme, hein, la propreté. Donc c'est Sayyidina Muhammad aussi celui qui a bâti la civilisation de l'islam, hein, la civilisation musulmane, la propreté. C'est lié au civisme, c'est lié à tout. La propreté précède tout. On doit être propre tout d'abord. Donc ça, c'est l'importance des ablutions. Assalamu alaykum wa ala. La paix soit sur toi et sur les gens de ta maison, desquels Dieu a fait disparaître l'impureté et qui l'a entièrement purifié. Les ailes de Sayyidina Muhammad sallallahu alayhi wa sallam, la famille de Sayyidina Muhammad sallallahu alayhi wa sallam. Et là, tu salues la famille de Sayyidina Muhammad sallallahu alayhi wa sallam. La paix soit sur toi et sur tes compagnons de bonne aloi et sur tes épouses pures, mères des fidèles. Là, tu penses aux épouses du prophète, les neuf femmes, 10, 11, selon les versions. Les compagnons du prophète, sallallahu alayhi wa sallam, tu peux les imaginer tous, hein, devant toi. Que Dieu te rétribue à cause de nous de la meilleure manière. Là, tu fais doigt pour Sayyidina Muhammad, sallallahu alayhi wa sallam. On va te dire, et à toi aussi. Il va faire doigt pour toi aussi. Qu'il a rétribué un prophète du fait de son peuple et un messager en raison de sa communauté. Là, tu penses à tous ces prophètes et à toutes ces communautés avant l'islam. Qu'il fasse l'action de grâce inutile sur toi chaque fois que quelqu'un te mentionne et chaque fois que les insouciants sont négligents à ton égard.
Donc ici, tu demandes à Allah Azzawajal de prier sur Sayyidina Muhammad sallallahu alayhi wa sallam. Quand? Chaque fois que quelqu'un te mentionne et chaque fois que les insouciants sont négligents à ton égard. Donc, tu demandes à Allah de prier constamment, en constance sur Sayyidina Muhammad sallallahu alayhi wa sallam. D'accord? Qu'il fasse l'action de grâce sur toi parmi les premiers et parmi les derniers de la manière la meilleure, la plus parfaite, la plus exaltée, la plus majestueuse, la plus excellente et la plus pure qu'il ait faite sur une de ses créatures de la même façon que nous avons été sauvés par toi de la séduction et de l'aveuglement et que nous avons été guidés par toi loin de l'ignorance. Et ça, c'est très joli. Qu'il fasse l'action de grâce sur toi parmi les premiers et parmi les derniers. Donc, j'imagine toute l'humanité, toutes les prières d'Allah Azzawajal sur ses créatures, depuis le Sayyidina Adam jusqu'au dernier temps, toutes ces prières, imaginez toutes ces prières orientées ou bien déversées sur Sayyidina Muhammad sallallahu alayhi wa sallam. Mais de la manière la meilleure, la plus parfaite, la plus exaltée, la plus majestueuse, la plus excellente et la plus pure qu'il ait faite sur une de ses créatures, de la même façon que nous avons été sauvés par toi. On était sauvés par grâce à Sayyidina Muhammad sallallahu alayhi wa sallam. De la séduction, les tentations et tout, de l'aveuglement, les obscurités. Hein, grâce à lui, on était sortis des ténèbres vers la lumière. Et que nous avons été guidés par toi, loin de l'ignorance. C'est pour ça que je dis toujours, il faut imaginer le prophète devant toi. C'est lui le guide. C'est lui qui nous a guidés loin de l'ignorance. L'ignorance, les ténèbres et tout. Maintenant, attention, tu vas renouveler ton islam, ton attestation de l'islam devant Sayyidina Muhammad. C'est différent maintenant. Je témoigne qu'il n'y a nul de Dieu adoré que Dieu, seul et sans associé. Donc, tu vas renouveler l'attestation de l'islam devant Sayyidina Muhammad, ça, hein? Comme si tu vas entrer l'islam devant Sayyidina Muhammad. Imagine les Quraysh qui se convertissaient à l'islam avant, hein? Tu vas faire comme eux, comme si tu vas entrer il y a 1400 ans à l'islam. Et je témoigne que toi. Là, ce n'est pas Sayyidina Muhammad. Tu es devant Sayyidina Muhammad. Tu vois, que toi, tu es son serviteur et son messager. C'est fort, ça. Ça, c'est très fort. D'accord? Et après, qu'est-ce que tu vas faire après ce témoignage? Ça, c'est comme si c'est un nouvel islam pour toi. Comme si tu entres pour la première fois à l'islam. Sans fidèle, hein, on a vu la fidélité. Donc il ne faut pas oublier le hajj après le hajj. Il ne faut pas oublier les enseignements de hajj après le hajj. D'accord? Il ne faut pas oublier vos engagements que vous avez maintenant pris après le hajj. C'est ça la fidélité. Son élu et sont bien parmi ces créatures. Je témoigne aussi que tu as transmis le message. Et tu demandes ici, oh Allah, donne-moi la force pour mettre en pratique, pour respecter le message du prophète sallallahu alayhi wa sallam. Surtout ici en Europe.
notre responsabilité est immense. Je témoigne aussi que tu as transmis le message et que tu as assumé le dépôt de confiance. Que tu as bien conseillé la communauté et que tu as combattu ton ennemi. Que tu as guidé la communauté et adoré ton Seigneur en toute certitude. Et là, le prophète va te dire qu'Allah te donnera aussi la certitude, la guidance. Toujours, il faut imaginer ce dialogue avec le prophète. C'est une salutation. Donc, dans la salutation, la salutation n'est qu'un début d'une conversation. Au début, avant de parler avec quelqu'un, on dit « Assalamu alaikum ». Après, on commence à parler. Donc, ça, c'est le début. Inch'Allah, Allah nous ouvre, Inch'Allah, la porte de la confidence avec Sayyidina Muhammad, sallallahu alayhi wa sallam. Que Dieu fasse l'action de grâce sur toi, sur les gens excellents de ta maison. Qu'il t'accorde la paix. T'anoblisse, t'honore et te magnifie. Si on a recommandé aux pèlerins de transmettre la salutation de paix sur le prophète sallallahu alayhi wa sallam, il dira la paix soit sur toi de la part de tel et tel. Si vraiment tu as une grande liste, tu dis je te transmets au prophète d'Allah la salutation des gens mentionnés dans cette liste, parce que aussi ça dépend le temps, si tu as plus de temps. Il reviendra alors en arrière. Là, tu reviens en arrière dans le sens, tu sors de la mosquée. C'est en dehors de la mosquée. Donc, il y a la porte de l'Baqir pour les hommes. Il y a la porte de l'ange Gabriel pour les femmes, et la porte des femmes. Vous entrez souvent par la porte des femmes, la porte 27. Je me rappelle une porte de 25. Alors pour sortir, vous pouvez sortir devant la mosquée, c'est juste à côté, et là vous faites ce doigt. Inch'Allah. La paix soit sur toi de la part de tel. Il viendra alors en arrière de quelques pas et saluera Sayyidina Abu Bakr, le véridique, qu'Allah soit satisfait de lui, car la tête de celui-ci est près de l'épaule de Sayyidina Muhammad. D'accord ? Ils sont comme ça. Là, après, c'est marqué dans le livre, l'autre livre. Pourquoi il faut sortir complètement Non, pas sortir. Moi, après, moi, il faut sortir. Maintenant, on est dans la mosquée. Moi, encore. Excusez-moi. Et très près de l'épaule de Sayyidina Muhammad, sallallahu alayhi wa sallam, et celle de Sayyidina Omar, qu'Allah soit satisfait de lui. Et tout près de l'épaule de Sayyidina Abu Bakr. Il fait encore quelques pas en arrière et il salue Al-Farouq, qu'Allah soit satisfait de lui, et il dit « La paix sur vous deux, assistants du messager de Dieu. Sur lui la grâce et la paix. Qu'il ont aidé dans le maintien de la religion, tant qu'il fut en vie et qu'il continuèrent à le faire dans sa communauté après lui. » Ça, c'est aussi une description de Sayyidina Abu Bakr, c'est-à-dire la fonction. Qu'est-ce qu'ils ont fait? La valeur de Sayyidina Abu Bakr et Sayyidina Omar. Vous vous êtes conformés à son action et vous avez agi selon sa règle. Que Dieu vous rétribue de la meilleure manière, comme il le fit avec les deux auxiliaires d'un prophète à l'égard de sa religion. Il revient ensuite s'arrêter près de la tête de Sayyidina Muhammad sallallahu alayhi wa sallam, situé entre, voilà ici, après, voilà. Et la colonne actuelle, donc là elle parle, c'est très ancien, ça fait 1000 ans ça, et il fait face à la Qibla pour louanger Dieu
irrésistible et majestueux, et pour le glorifier et faire de nombreuses actions de grâce inutiles sur le messager de Dieu, sur lui la grâce et la paix. Il dira, ô mon Dieu, c'est toi qui as dit et ta parole est la vérité. Si eux, nous, et là c'est pas nous vraiment, c'est les hypocrites. Eux ici, ça revient aux hypocrites à l'époque du professeur, les hypocrites à midi. Imaginez, hein, si ces hypocrites, vous regardez la valeur du Seyyid Mohammed, lorsqu'ils furent injustice envers eux-mêmes, étaient venus à toi en demandant pardon à Dieu, pourquoi il n'a pas dit et demander pardon à Dieu sans venir au prophète sallallahu alayhi wa sallam? Oui, et on sait qu'il est vivant maintenant aussi dans sa tombe. Ça nous montre la grandeur. Comme si, s'il me demande à moi directement le pardon, je ne le pardonne pas. Mais s'ils viennent derrière toi, je les accepte. Pourquoi il passe par Sayyidina Muhammad? C'est pour nous montrer la valeur de Sayyidina Muhammad. Attention, les hypocrites croient, ils croient en Allah, mais ils ont de la peine à accepter qu'un homme, hein, peut avoir un degré plus haut qu'eux, ou qu'un homme transmet un message, ou qu'en plus un orphelin peut devenir, peut avoir ce pouvoir. Donc les hypocrites, en réalité, ils ont cette maladie du cœur. Ils ont l'orgueil dans leur cœur. Donc si eux, lorsqu'ils furent injustice envers eux-mêmes, étaient venus à toi en demandant pardon à Dieu, et le messager demandant pardon pour eux, il aurait trouvé Dieu toujours revenant et miséricordieux. Les hypocrites, imaginez. Alors si tu vas vers le prophète sallallahu alayhi wa sallam et tu es là-bas à côté de lui, tu fais dua, inshallah ton dua est accepté. C'est pour ça les ulama ils ont dit le dua ici à cet endroit après ces paroles, inshallah il est accepté. Donc après chaque visite du prophète sallallahu alayhi wa sallam, sortez un peu à l'extérieur de la mosquée et faites ce dua, inshallah. Oh mon Dieu, nous avons entendu ta parole et nous avons obéi à ton commandement. Nous nous sommes adressés à ton prophète, lui demandant d'intercéder pour nous auprès de toi, pour nos transgressions et pour les affronts qui pèsent beaucoup sur nous. C'est très beau. Nous repentons de nos erreurs. Peut-être, inshallah, après ce dua, Allah te donnera le repentir, inshallah. Wallah. En avouant nos fautes et nos insuffisances, reviens à nous. Ô Dieu, et fais que ton prophète intercède en notre faveur à ce sujet. Par son rang, élève-nous auprès de toi, subhanallah. Ainsi, par la prérogative que tu lui as accordée. Ô mon Dieu, pardonne aux immigrants de la Mecque et aux auxiliaires Ansar de Médine. Pardonne-nous ainsi qu'à nos frères qui nous ont précédés dans la foi. Ô mon Dieu, fais que cette visite au tombeau de ton prophète et à ton endroit sacré ne soit pas la dernière. En réalité, ce doua, bon, tu peux le dire, hein, cette phrase, mais surtout, c'est à la fin, avant de quitter Médine, tu dis ce doua. Mais tu peux le dire parce qu'on peut mourir à tout moment.
à midi. D'accord? Fais que cette visite au tombeau de ton prophète et à ton endroit sacré, haram, ne soit pas la dernière. Ô le plus miséricordieux des miséricordieux. Voilà pour les salutations avec la visite donc de la tombe de Sayyidina Muhammad sallallahu alayhi wa sallam. Est-ce que vous avez quelque chose à ajouter? Moi, je suis prêt à faire Arafa avec vous samedi. Mais je sais que vous travaillez peut-être, vous avez... Samedi à quelle heure? Samedi, comme vous voulez. Je suis au service des... Salam alaikum. Wa alaikum salam. Donc, alors, j'aimerais prendre deux comme ça. Faudem. Ok. Vous pouvez mettre dans la caisse. Il y a la caisse. Il est où? J'ai regardé, mais je n'ai pas trouvé. Dans le mur. Ce mur-là. C'est juste derrière le membre. Tu le montres. Inch'Allah, il est venu avec le parfum, le frère. Signe d'acceptation, Inch'Allah. Comment? Le samedi? Comme vous voulez. Ouais, si vous voulez. Samedi, la semaine prochaine, on prendra un moment. Comme vous voulez. Lundi, puisque on a la réunion ici avec le. Okay. Moi j'ai congé, mais à partir de samedi, j'ai congé. Tu pars, Fatima, quand? Je pars au France samedi. Ça, c'est samedi. Oui. Bon, je connais directement. Mercredi prochain. Non, je devrais. Vers 7 jours à 18h pour ça. Oui, comme. On est d'accord déjà. Mercredi prochain. Oui. Alors. Vous savez que pour ça, ça nous rapproche un peu. Ça nous laisse un peu de temps pour réfléchir et puis ça nous rapproche un peu à la date. Mm-hmm. Parce que là. Oui, d'accord. Ok. Mercredi prochain. Il faut voir avec les autres, c'est sur la tête. Arden, tu n'es pas là le mercredi prochain. Mercredi prochain. Oui. Non, tu ne penses pas. Après l'Asr, toujours. Hein? Après l'Asr. Après l'Asr, oui. Parce qu'il nous reste Arafa, il nous reste quoi? Vous avez la promesse? Mina, on doit avoir l'Estelle. L'Estelle. J'ignore tout ça. Safa ou le Marwa? Safa. Ça fait deux séances là. Safa ou le Marwa, très important. Alors, il reste Safa, Marwa, Mouzdalifa.